Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de présentation du mode suivi de traces de VisuGPX. Comme son nom l'indique, ce mode va vous permettre de suivre une trace sur le terrain avec votre téléphone portable en étant géolocalisé sur un fond de carte. Ce mode fonctionne hors ligne, c'est-à-dire que sur le terrain, vous n'aurez pas besoin du réseau, si vous avez évidemment préalablement mis votre trace en cache. Voyons comment cela fonctionne. J'ai préparé une petite trace grâce à EditGPX que je viens charger. Et vous voyez apparaître en haut à droite une icône bleue de mise en cache, pardon. Cette icône bleue, attention, n'apparaît que sur les écrans des téléphones portables. Elle n'apparaîtra pas sur votre écran d'ordinateur qui est plus large. Cette option vous permet donc de mettre en cache votre trace avec deux types de fonds de carte différents, soit le fond de carte OpenTopo qui couvre la planète, soit les fonds de carte IGN Top 25 qui couvre la France uniquement. Donc voilà, la mise en cache est correctement déroulée et me fournit un lien vers ma page cache sur mon profil. Voilà, donc j'ai accès à ma page cache. Qu'est-ce que je retrouve? Je retrouve la liste de toutes mes pages en cache, donc ici une seule, avec pour chaque trace le nom, une petite vignette, la distance, le dénivelé, le type de carte mise en cache et la place occupée par sur le cache, donc 5,9 mégaoctets et 57 tuiles pour cette trace. Si je clique sur la trace, j'obtiens simplement une page qui va me permettre de me guider sur le terrain, donc en mode hors ligne. Donc j'obtiens simplement une carte sur laquelle je peux zoomer, dézoomer. J'obtiens le profil avec lequel je peux me promener sur l'itinéraire pour faire apparaître un marqueur. Je peux, chose nouvelle, zoomer sur ce profil pour être plus précis au niveau des détails. Je peux escamoter ce profil. En haut à droite, vous voyez l'option de géolocalisation qui va me permettre de me géolocaliser sur la trace. En tout cas sur la carte après acceptation. Si je suis à proximité de la trace, moins de 50 mètres, je suis aussi géolocalisé sur le profil. Donc ici, je suis à ce niveau-là. Je peux zoomer, effectivement. On voit que cette fois-ci, en me promenant ma souris sur mon profil, plusieurs informations s'affichent. Donc la première information est la distance et le dénivelé qui me reste à parcourir jusqu'à l'arrivée. La deuxième information est la distance et le dernier dénivelé qui me reste à parcourir jusqu'au point survolé, par exemple un sommet ou la prochaine pause. Je peux, si je veux, supprimer le prochain point et me déplacer avec la carte. La petite cible indique la distance jusqu'à ma position, mais cette fois-ci en ligne droite, alors que tout à l'heure elle l'indiquait en suivant la route. En cliquant sur centrer, je me recentre, c'est-à-dire que ma carte restera toujours centrée au fur et à mesure de mon avancée. Voilà, donc une fois que j'ai fini de suivre mon itinéraire sur le terrain, je peux revenir sur ma page des traces en cache et supprimer, pour libérer la mémoire sur le téléphone, le cache. Voilà, merci de votre attention.